Salut les amis, l'amiral et le maréchal de retour. Voilà, salut à tous. Donc, grosse surprise. Grosse surprise. Hein, il y a des Autrichiens dans les parages et ils sont. On a pris une armée d'Autrichiens. Ouais, on a pris une armée d'Autrichiens sur le Rab. C'était pas prévu. C'était pas prévu au programme. Alors, de mémoire, il y en a donc deux là. Il y en a deux là. Et je sais qu'il y en a une autre partie qui est remontée du côté par l'Italie et puis je ne sais où après, parce que j'ai perdu le but. Alors deux contre un, ça va être chaud. Alors là on a quoi? On a du canon, beaucoup de cavalerie. Ouais, par contre c'est de l'infanterie qui est assez quand même, celui-là un peu plus quand même. Ah, c'est un peu plus costaud. Ouais, mais l'autre... C'est un peu plus costaud. Donc combien en tout de canons avec ces deux armées? 6 canons? Ouais, même plus. Ouais, parce que là il y en a 5. 7. 7. Ouais. Alors, ah, voilà. T'as son autre armée qui est par là, je crois. Hein. Je sais pas où elle est passée. Je sais pas si c'est celle où on a dézingué ou. Ouais, c'était lui là. Ah, c'était peut-être bien lui. Il me semblait qu'il était un peu plus nombreux que ça quand même. C'était lui là. C'est vrai qu'on est juste à côté, nous, à portée de main. Bah, on va passer le tour, on va voir ce qu'il y a à faire. On va voir, exactement. À mon avis, ils vont attaquer la ville. Il y a pratiquement personne. Ils ont notre armée à côté, donc. Bah... Oui, mais ce que je veux dire, ils vont pas nous taper direct, ils vont d'abord taper la ville. Tu crois? Il ne reste plus qu'une. On aurait préféré l'inverse, hein, mais bon. Ah, je. Oui. Mais enfin, pas qu'ils vont le faire, finalement. S'il fait l'inverse, on se met en notre position de défense. On peut espérer la victoire. Bon, de toute façon, là, c'est. On va faire gaffe. On avait dit qu'il fallait qu'on regarde aussi en Amérique comment ça se passe. Là, on a regardé tout à l'heure. Un statu quo. Il reste un peu de territoire en français. Hein. Et il s'est rapproché de ses copains. Lui. Bon, t'avais raison, il a attaqué la ville. Ouais, je m'en doutais. Bien. M'en doutais. Bon. Eh ben, on va se faire une sauvegarde. Et bah puis, ouais. On va y aller. Ça nous fait pas peur. On va y aller. Donc, cette petite unité de merde. Ah, c'est un canon aussi. C'est un canon. Bah, décidément. Ah oui, c'était barré. Là. C'est barré. Donc ça fait 8 canons. Bon, on note que ces unités ont pas fait le plein. Non. Bon. Et puis... des petites cavaleries légères qu'il a pour cette armée là en tout cas c'est... donc bah c'est du va falloir que ça arrive parce que là ouais, c'est ça le problème. Alors non, qu'on se mette soit ça réduit défensif le temps que notre armée de renfort arrive. Et parce que c'est une ville et ou se rassemble. C'est la bonne question. Oui, on n'a pas fait gaffe. Ouais. Si c'est un fort, ça va, on va tenir. Et son armée de réserve arrivera. Ah putain, c'est pas un fort. Donc c'est pas un fort. C'est un village de merde. Et allez, ben, on a quand même un, tu vois, un petit léger... Un léger avantage ou désavantage? Des avantages, je dirais plutôt. Oh bah voilà, ouais, alors attends. On est où qu'on est là. On se met loin derrière. Ou alors on se met dans les bâtiments. C'est une solution. Est-ce qu'il peut pas plus facilement nous battre avec... On a quoi là déjà? On a... Alors on a la deux pauvres milices. Bon, c'est de la bonne infanterie. Oui, ça c'est de la bonne infanterie. Mais on a deux pauvres milices et trois régiments de cavalerie. La cavalerie c'est pas mal, mais... La grosse cavalerie. Normalement, nos renforts viennent de l'autre côté derrière. Ah, c'est ça qui est. C'est la question. C'est la question. C'est pour ça, moi, je. Ouais, t'as raison, faut se mettre dans les bâtiments. On va se mettre dans les bâtiments. Et les bâtiments, pas. Franchement, qui sont les plus proches entre eux. Il a de la cavalerie. Mais après, nous, on en a du costaud, donc c'est pas un souci. Celui-là, là. Alors j'y suis, alors ce que je ferais bien c'est mettre des... Ouais, qu'ils soient regroupés, ce serait dommage. Ah, tu veux mettre des pieux? Ouais, c'est pas con. Mettre des pieux. Ouais, et ça peut on remettrait bien quand même sur le côté droit. T'as une
T'as une baraque, deux baraques, trois baraques. Ou ça là ou... Ah, t'as celle-là, là. Là, tu vois, on va le mettre là. Le passage. On va se mettre là. Parce que l'entrée, quoi. Ouais. Toc. Oh, la milice, toi, normalement, ils peuvent rien faire. Donc, là, oui, c'est vrai, le reste, c'est de la milice. La milice, on va mettre dans ce bâtiment-là. C'est juste pour la rigueur. Bah, je la mettrais juste pas dans un bâtiment, celle-là. Tu vois, en soutien. En soutien. Ouais. Et puis les deux meilleurs après dans le. Et après, ça nous fait trop éloigner des uns des autres, comme ils font en masse. Ouais. On arrive en force. Ouais. Bah. Ouais, ouais. Comment il va arriver, mais. Ouais, ouais, les mettre là. Hein. Hop. Histoire de. Juste un soutien. La cavalerie, pour l'instant, on va laisser planquer. Oui, oui, oui. Cavalerie, on va la mettre planquée. Voilà, dès que ça démarre, notre infanterie, on la fout dans les. Oui. Donc, dans le bâtiment. Celle-là, là, et l'autre, bah, je la vois même plus. Non, elle est là, c'est bien ça. C'est ce bâtiment-là. Ah ouais. Ouais, on commence. Allez, on y go. Et bah, il nous arrive sur la droite. Et pas de renfort de prévu. T'en as un là-bas, je crois. On avance. Tu vois, il est là, je crois. Mais il est pas assez grand. Non, même pas été. T'as oublié de l'avoir vu pourtant. Ah bah il est là. Il est tout petit là. Et... Ah mais on n'a pas de renfort. On n'a pas de renfort. C'est Grouchy qui était chargé de l'armée de renfort. Ouais, là on risque de prendre cher là. Je te cache pas que d'habitude je suis optimiste, mais là. Là, général a dit ça craint. Eh ben écoute, tant pis, hein. On va attendre. Bah ouais, hein. Pas le choix. Ouais, pas le choix. Ah, les voilà. Non, c'est on a bris des bâtiments. Ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ok. Rien à voir. Fausse joie. Alors, comment utiliser efficacement notre cavalerie? En retrait. Il faudrait en profiter, en fait, pour faudrait laisser se pointer. On fait le tour, on fait un affrontement de cavalerie. Ah, mais tout de suite, il a mis des pieux. Il a mis des pieux. Il a mis des pieux. Je crois qu'il t'a entendu. Il a mis des pieux, le con. Non, faut attendre et puis y encaisser. Et puis, tant pis si c'est Cameron après. Hein, ah, bah oui, oui, oui. De toute façon. Il battra jusqu'au bout. Le truc, ça va être faire le plus de pertes possible. Oui. Ouais, c'est ça, d'en emporter le plus avec nous. Voilà. C'est l'objectif. On compte sur ces deux régiments-là qui sont les plus. Oui, les plus costauds. Les plus costauds. Le problème, c'est que t'as pas de gros bâtiments. Bah non, ouais. On aurait pu foutre deux régiments dedans. Bah ouais, voilà, ou tu sais, plus rapproché, parce que là, les petits bâtiments, ils n'en tiennent que 20. Ouais. Ou alors, si tu veux la déplacer vers celle-là. Après, bah là, je les ai envoyés se mettre là-dedans. Ah ok, je l'ai pas vu. On va surveiller l'artillerie qui nous les défonce pas, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, mais là, de toute façon, il va passer en force. Qu'est-ce qu'on fait? On fait mouvement avec notre cavalerie? J'en laisserai une. J'en laisserai une pour faire quoi, joli? Non, pour... pour tout simplement le... Oh, toujours pas de news. Ouais, après, t'as raison, il faut l'inquiéter. Mais attention, parce que si t'en prends trop, puis que t'as les pieux, puis. Ouais. Et là, quand même, il y a les pieux, plus sa cavalerie à lui. Je vais laisser le régiment de hussards en réserve. Ouais, ouais, ouais. Et on va le contourner. On fait un grand. Ouais, il arrive là, avec toute sa cavalerie. On fait un grand détour. Après, on a des cuirassiers. Et je suis pas sûr qu'il ait de la cavalerie aussi solide que la nôtre. J'ai peur qu'il nous fasse un chacun à son tour son renfort, tu vois. Pour l'instant. Ah ! Non, c'est rien, c'est la milice qui a pris le bâtiment. Ah putain, ils étaient toujours pas rentrés. Non, il y a une espèce de. Eh ben ça, pour l'Autriche, ça va se payer, ça, ce qu'ils nous ont fait. Bah, on a notre armée qui est derrière. Oui, c'est pour ça que ça va se payer. Tout ça, ça repart nos plans. Ouais, ouais. On s'est fini en... En apothéose, on a déjà tout calculé. Ouais.
on va prendre les deux régions, on va négocier avec les Russes. Chaque émat, et puis là non. Puis là non, l'Autrichien se pointe. Là, il nous a surpris. Je sais pas, il a été les chercher, c'est... Ouais, tu vois, je ferai un grand tour et là, je serai sur sa... Ouais, nettoyer là, je passerai sur la droite et... Déjà, pour l'obliger à revenir à faire volte-face, il le fait. Ouais. Puis au pire, sinon, on détruit ses canons, quoi. Bah oui, ce sera toujours ça de fait. Ah, exactement. Qu'on n'aura pas à gérer dans les prochaines batailles. Maintenant, je compte sur l'infanterie, les nos deux bons régiments, là, qui lui fassent un maximum de dégâts. Notre infanterie qui s'est réfugiée, la milice, elle est où? Bah du coup, ils sont arrêtés devant les pieux. Ouais, ils sont arrêtés devant les pieux. Bah les milices, on a... Celle on qui a est dans le bâtiment, là, c'est celle-là? Et puis là. Ok. Donc... nous autres tirs pour l'instant, mais bizarre qu'ils bougent plus, qu'ils cherchent. Pourtant, il y a la basse, hein. Ils sortent. Non, je vais en tirer. La cavalerie fonce. Là, tu l'as repris. Ouais, ça mord. Quelques-uns là. Faut que j'aille voir là-haut parce que je crois qu'il avait posé des pieux à un endroit. Ah, il les a posés sur la gauche. Ouais, il les a posés là. Mais il en a posé 4, je pense qu'il en a posé plus que ça. Et les dragons qu'il a, j'avais pas vu, tiens. C'est les dragons de couverture. Normalement, ça devrait suffire. Si ma charge de cavalerie risque de dépasser, puis risque de. Oulala, bah, les gars, faut peut-être accélérer, on a des chevaux là. Si la contrée vous rattrape, c'est qu'il y a un problème. Et puis ils font le tour. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ils font le tour par les dos, c'est crétin. Tiens, tu vas te prendre une balle, toi, un coup de mousquet. Un coup de mousquet, mais ils ont même pas réussi. Oula. Mouvement de la cavalerie ennemie qui va essayer de faire une contre-charge. C'est logique. C'est dommage qu'on ne peut pas envoyer notre troisième cavalerie pour les normes. Eux qui sont occupés avec nos deux autres. Histoire de faire un peu de panique. Attention, ces pieux, ils sont de l'autre côté normalement. Ouais. Il est apparemment sans brancher dessus les coups. Ouais, c'est pour ça. Mais de toute façon, dès qu'il part, faut continuer là-bas et sortir des pieux. Parce que là, on va se prendre les pieux et la cavalerie. Tellement. Ouais. Ah, là, oh là, c'est les nôtres. C'est les nôtres qui arrivent, dis donc. Ça va changer la donne. Tirer le temps, je vole le temps là, parce que ça arrive là. Ah, tu vas aller là-bas, ça change la donne hein, quand toute une armée qui t'arrive dessus. Du coup, au village, ça a l'air de tenir. Hein. Ah, c'est plus à la con, ils font chier là parce que. Ouais, parce que ça va ça nous faire des pertes, ça. J'utiliserai même tout ce que t'as comme infanterie pour faire du tir. Éviter de. Ah, on a eu du mort là. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, 36, ils ont pris cher. Pris cher. J'utiliserai bien tes dragons qui sont restés. Et là, ils viennent tout vers nous. C'est pour ça qu'il faut les achever, les faire partir. Et... plus de menaces dans le dos. Pas dans le village, quoi. Déjà, faut que je gère les renforts. Parce que déjà, oui, c'est vrai que. C'est pas évident. Ils arrivent. Non, puis. Ils arrivent sur tout le monde. Là, faut que je laisse la mêlée se faire. Ouais. Tu vois, il est en panique là-bas. Ça, tu veux que je l'envoie dans le dos là? Ah ouais, j'ai besoin de le faire fuir dans des régiments. Ah, il ne reste un 2. Ah, une heure, j'avais pas vu.
cavalerie qui arrive. Alors, qui c'est qui a canné? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Oh putain, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Allez, c'est putain de pieux, là, je suis sûr. Ah ouais, mais c'est clair. Bon, ça m'aurait fait pas plus mal. Oula, très. Faut pousser. Parce qu'il y a encore une deuxième armée qui nous attend après si on nous a fait ça. Là c'est un peu le. C'est un peu le beans là. J'ai pas bien compris, on a eu des pertes, mais j'arrive pas à m'expliquer d'où. Dans les régiments d'artillerie. Ah ils ont même pas tiré. Je comprends même pas quoi. C'est qu'il y en a plus. Saint-Brice qui reste là-bas. Ouais. Ouais, là je comprends pas notre artillerie, là, les mecs. Ils sont... À moi que tu sais, t'avais. Mais carrément, ils sont même plus carrément au canon là. Il n'y a pas de truc de canon. Bah non. On regardera de nouveau la vidéo, je pense qu'on comprend un peu plus bientôt. Là au niveau de l'artillerie, je comprends pas bien ce qui s'est passé là. Ouais non mais là il y a eu un sacré bordel. C'est bloqué ou c'est que des choux là? C'est quoi ça? Ouais c'est que les choux. D'accord. Ouais, faut m'expliquer aussi. Il y a deux choux, il faut pas m'expliquer. Alors est-ce que c'est un de ces régiments de dragons Ouais je pense que c'est ça. Mais qui c'est là, on n'a pas tous nos renforts qui sont arrivés. On a eu qu'une partie qui est arrivée. C'est dommage qu'on n'ait pas pu rassembler notre. Dommage déjà qu'on avait une renfort d'équipe. Ils auraient dû aider. Voilà. Bon, au village, ça se passe bien. Tout le monde se barre. C'est des hussards, c'est pas des dragons. Pardon, j'ai des dragons. C'est des hussards. Ah non, je pensais à je sais qu'ils se sont fait massacrer. Et c'est mis en carré, par contre. Petit cadeau, je vais charger mes hussards sur cette cavalerie-là. Attention aux tirs, parce qu'ils sont... Arrive. Bon, visiblement, ça a pas trop morflé dans la ville. Hein. Non, ça a bien tenu. Hein. Les deux milices sont impacts. Mais le fait que les hussards sont intervenus tout de suite, ça a pu aider aussi. Si ils avaient fait partir comme ils se barraient tous pour aller nous attaquer. Par contre, c'est ses renforts à lui. Je voudrais bien savoir ce qu'il en advient. Un petit 362. Je les vois pas, c'est ça le problème. Ah,
rien à l'horizon. Peut-être pas plus bas, ça va peut-être essayer de... Les hussards, c'est un peu moins costaud, mais bon, ça va bien. Bon, je pense qu'il était affecté. Il y a de la bonne cavalerie. Ah ouais. La tête de mort, c'est impressionnant. Ouais, c'est l'hussard de la mort. Bon, bah voilà. Bon, bah écoute, allez, on aura plus cela. Cela c'est fait. Essayer de se regrouper, histoire de supporter cette force. Ouais, parce qu'ils sont tous en panique et il n'y a pas de fin de bataille. Donc c'est que ils prévoient quelque chose. Et c'est pour ça si on pouvait tous nous regrouper au même endroit. Vers le village, c'est à mon avis une réforme de... Tiens, c'est quoi ça? Non, ça va être... C'est un petit peu de... Ah ouais, c'est quoi ça? Mais non, c'est... C'est quoi donc ça? Vas-y, bon, mets toi le thé. C'est bien ce que je dis, c'est... C'est quoi ça? Ah, ça fait, c'est à nous, mais il y a un bug. Ouais, il y a un bug, là. Pas voulu, il a pas apprécié l'attaque en masse. C'était tellement de bordel que l'ordinateur n'a pas suivi, tu vois. Il a pioché, il a fait quoi? Ouais, ça c'est ça. Ah, c'est le renfort qui sont bloqués. Parce que sinon on est mal, hein. Si c'est nos renforts qui sont bloqués... Alors ça, on a ça. Là, on a là. Alors, je sais pas, là. Ah! Dans le dos en plus! Dans le dos, le salaud! Attends. Ouais, alors là, je vois plus. Faut m'expliquer pourquoi il n'y a plus ça pour les autres. De toute façon, notre général est mort, donc c'est pas un souci. Il faut rapatrier toute notre. Même celle qui est dans le village. Parce que si on n'a plus de cavalerie, qu'on a des soucis avec une qui est bloquée et les autres qui peuvent pas charger, on est mal. Ça risque de... Compliqué. Et si on les prend à la sortie, je sais pas. Ah, ça y est. Ah, c'est pour ça. Ah, puis nos enfants, ils sont bloqués. Je crois qu'il va falloir les jouer loin. Ça change pas de tapitude. En fait, faut qu'on les prenne à la sortie. Ah, tu vois, là, ils arrivent tous. Là. Ah oui, ils arrivent tous. Et là, faut qu'on les prenne. Et là, il faut charger. Baïonnette et... On fonce. Ouais. Très bien. Ouais, bah... Pas grave. Il était déjà gagné de toute façon. Allez. Des bourrins, des bourrins et des bourrins. Les hussards aussi, il faut les faire charger. Il faut quitter l'infanterie. Allez hop. Il était au pas de charge. Ça va être au pas de charge que ça va se dérouler. Les hussards aussi, il faut les faire intervenir là. Ces maudits pieux. Attention qu'il n'y a pas plus de vue ça. Les canons. Moi on rentre un petit peu mais pas trop loin parce que je suis même pas sûr qu'il va vraiment passer tout le temps par là. Pour l'instant oui. Ah, il nous a fait des pertes pour rien. On est fini, on était pratiquement à une ville, on était devant la porte de... sa dernière ville. Ah, on la sentait belle. Ah ouais, et là, elle nous complique tout. Ça va nous coûter cher. Bon.
arriver, mais... Bizarre, il m'a dit... J'ai choisi rouge, mais je sais pas où il est. Il a dit qu'il y a du rouge. Ouais, alors... On n'a rien en vue, là. On va attendre, hein. Bah ouais, de toute façon. Tiens, ouais, regarde, toi. Il y en a quelques... Alors, s'ils sont invisibles et que ça a planté, je te raconte pas le bordel, là. Alors, c'est quoi, ça? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, d'accord. Alors, on a eu le temps, à mon avis, parce que s'ils arrivent de ce côté-là, au plein milieu de la carte, on... Ouais, c'est dragon, ça. Ah oui, d'accord. On voit le général. Tout à fait, les gars. Il en a 13. Allez, il va aller récupérer leurs chevaux. Non, c'est de l'infanterie, c'est quoi? Ah, c'est notre infanterie, ça. Ah non, c'est notre infanterie à nous, ça, qui se pointe. Oh là 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 là. Ah, mais ça y est, tu vois, c'était la petite cavalerie qui est là, tu vois, ils sont là. Ah, ça, c'est à nous, ça. Ça, c'est à nous aussi. En fait, il n'y a plus que nous. Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, tu vois, c'était les cavaliers qui étaient au milieu, qui... Ouais. Qui étaient au milieu de nos troupes, en plus. Nos hommes passent devant, sans problème. Comme ça, tiens, puis on a encore des renforts qui arrivent là. Non ? Ah, ils sont apparus, ceux-là. C'est un peu mélimélo là. C'est un sacré foutoir quand même. Ouais, et tu m'étonnes qu'après on a du mal. Et d'un seul coup, tu vois, comme t'as en accéléré, bing ! Là, il me refout du rouge. C'est pas fou quand même. Allez, tu vois là ? Encore du rouge. Putain, ils sont. Puis avec le bug qu'il y a eu. On sait pas. À un moment donné, t'as une limite de chrono ou pas? Je sais même plus. Bah ouais, bah ouais, t'as un ton. Bah oui, je sais. Et d'où il sort? Je le vois même plus sur la carte. Je le vois même pas sur la carte. Non. Bah attends, c'est pas celui-là là-bas? Bah oui, bah c'est comme ils sortent de n'importe où. En fait, t'es en train d'allumer ta sèche et puis d'un seul coup... Oh, ça te surgit dans le dos. Ah. Et après tu prends une baïonnette dans le dos. C'est vite arrivé. Allez, contact. Allez, ouais, on a plein d'armées qui arrivent là. Et le reste qui arrive. Ouais, c'est sûr, c'est étonnant. Très bizarre. C'est bizarre tout ça. En plus, les troupes affaiblies. Victoire de justesse. Ouais, alors il m'arrive une défaite, là je peux te dire que... Nous sommes dans l'incapacité de... L'intellect est invisible à l'homme. Bah, il n'y a pas que ça, apparemment, qui est invisible. Nous sommes incapables d'expliquer ce qui s'est produit. Bah déjà, je sais même pas d'où ils sortaient, eux. Ah, on sait pas d'où ils sortaient. Attends, paiement unique, combien de 230 000? Non, mais refuse, alors ne te trompe pas. Cher Joseph, merde. Voilà. Hein, parce que, quand tu es toujours amical avec lui, ça m'étonnerait. Ah, il sera pas Joseph. 230 000, lui, toutes nos pognons, enfin plus rien, quoi. Ah ouais, bon, bah écoute... Le principal, c'est qu'on ait repoussé l'attaque. Et devine. Non. 36 000, il baisse. Bibouchistan, c'est toujours pas bon. On fera fin de tour après. Ouais. On va arrêter la vidéo là-dessus. Allez, on attend la fin du tour et puis on arrête la vidéo. Sur une bataille plutôt bizarre. Hein. Ouais, plutôt bizarre, ouais. J'ai pas tout compris. Ah, les Mongols, ouais, ça commence à... Ils ont une belle part dans l'Inde, les Mongols, là. On n'a pas tout compris. Les Marathes sont mal. Ouais, on n'a pas tout compris.
Ah, qu'une fois que tu as toute l'Inde, tu as quand même une sacrée puissance. Hein. Ah, ça c'est clair. Ah, ça c'est clair. Enfin, niveau financier, ça doit tomber. Hein. Ah, ça doit bien tomber, surtout tout ce qui est épices et autres. Ils ont pas mal de mines d'or et de saphir et autres pierres précieuses. Du pognon. Du pognon. Mais ils ont des bons canons, hein, les Mongols. Ouais. Ah ouais. L'air d'avoir fait expérience. Ouais, je me suis arrivé et je suis reparti aussi sec. Bon, le Suédois a rassemblé ses flottes. Eh merde. Oh là là. Ah merde. Quand je te disais qu'il avait une sacrée flotte. Bon, on va falloir attendre qu'ils se barrent quand même. De toute façon, il faut finir les Autrichiens. Ouais, là, faut qu'on les finisse à coup de latte. Bon, il est hors de question qu'ils se baladent sur notre territoire comme ça. Latte dans l'oignon. Venise, ils sont alliés avec qui? Pourquoi il n'intervient pas, lui? Je sais pas. Bon, allez, on s'arrête là. À plus. Allez, à la prochaine.